Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur de News, chaîne d'infos et de réflexion sur l'information. Nous venons d'apprendre le décès de Jean-Jacques Benex, qui nous a quittés aujourd'hui dans son domicile parisien. Donc, il avait 75 ans et il nous a quittés suite à une longue maladie, comme on dit malheureusement. Donc, beaucoup sur Internet cherchent la petite bête en disant voilà, Covid vacciné, comme d'habitude. Bon, ça change pas. Lui qui avait tourné des films magnifiques, Diva en 80, La Lune dans le caniveau, qui était un film super beau, 37-2 avec Béatrice Dalle, Roselyne et les Lions, bon j'avais moins accroché, mais bon c'était un joli film aussi. IP5, c'était le dernier film d'Yves Montand. Et son dernier film datait de 2001 qui s'appelait Mortel Transfert avec Jean-Hugues Anglade. Et le film avait été un échec commercial et critique et il avait perdu beaucoup d'argent. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il n'a pas refait de film après par la suite. Après, il a fait des documentaires, des bouquins, etc. Mais pas de film de cinéma. Donc voilà, bah, qu'il repose en paix et j'espère que ces films vont être passés à la télé très vite. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.